préférée, vous avez dû... Quelle est la note? 115 sur 20. 115 sur 20, bravo public amoureux, c'est extraordinaire. Oui, ben ça va, oui, Kelly, ça va. Bon, eh, oh. Non, ne dis pas Jackie. Il n'y a pas Jackie. Il n'y a pas Jackie. Ah, merci, merci Florian. Je pouvais compter sur lui. C'est mignon. Bon, alors, pour l'instant, la tenante du titre, elle s'appelle Sarah. Elle s'appelle Sarah, c'est vraiment une chanson d'Hélène d'ailleurs. Une chanson d'Hélène. Non, ça s'appelle Sarah, qu'on a passé hier, hein, tu te souviens? Oui, bon. Je me souviens. Alors, est-ce que Sarah va revenir? Est-ce que Sarah va totalement disparaître? Eh bien, le résultat, c'est maintenant, non? C'est là. Donc, la gagnante ou le gagnant est Magneto. Quatrième fois consécutive, on a fait très très fort. Vous avez voté pour elle, elle est là, que pour vous, ça. Applaudissements. Où est-elle, Sarah Kelly? Sarah, allez, Sarah, Sarah. Sarah, la jolie Sarah. Bonsoir. Bonsoir, Sarah, comment vas-tu? Très bien, et vous? Attends, très bien, tu me vois maintenant? Non, et vous? Ah et oui, vous, tous les deux, d'accord. Kelly, est-ce que tu as une question à poser à Sarah? Une question extrêmement importante. Bah, est-ce oui. que tu t'y attendais, Sarah? Encore moins que hier. Toujours pareil. Bah, parce que, encore une fois, les candidats d'hier étaient très très bons. Ouais. Et puis voilà, c'est toujours la surprise. Je saute toujours de partout. De partout. Voilà. Alors là, c'est bizarre, par l'instant, tu as ton, par moment, tu as ton accent marseillais et par moment, tu n'as plus du tout. C'est vrai? Là, tu n'avais même plus l'accent marseillais, c'est comme ça? C'est vrai. Tu fais. Ouais. Je ne fais pas exprès. Non, mais c'est la vie, quoi. Donc tu es d'Aubagne. Hein. Toujours, oui. C'est la banlieue de Marseille, 50 km de Marseille. La banlieue, on n'aime pas trop dire qu'on est la banlieue de Marseille, mais on est à côté. Ouais, pas très loin quand même. On est à 15-20 km. Voilà, donc tu as toujours 19 ans depuis hier, ça n'a pas toujours. Changé. Toujours, non, ça n'a pas passion, changé. C'est la chanson. Toujours. Ça tombe bien, parce que tu chantes bien. Hein. Merci. Et tu viens donc pour la quatrième fois consécutive, tu es donc la tenante du titre. Qu'est-ce que ça te fait d'être la championne des championnes, Sarah? Ça fait assez bizarre, mais j'aime bien. Une situation confortable. Oui, pour l'instant, voilà. Oui. On applaudit très très fort Sarah pour retrouver en fin d'émission. Bravo Sarah. Merci. Nous allons maintenant accueillir les trois autres candidats. Tout à fait. Est-ce que tu as ta fiche? J'ai ma Kelly. Fiche. Alors attention, voici le candidat numéro 1. Yacine. Allez. Voici donc la candidate numéro 2. Anka. Nous allons maintenant accueillir le candidat numéro 3. Anderson. Deux garçons, deux filles, c'est parfait. Hein, c'est égalité parfait, totale. Hein, égalité, ça va les nouveaux candidats? Pas trop le trac, qui est décontracté? Hein, super, lui il dit super, donc c'est sympa. Hein. Tout le monde est content. Tout le monde est d'être là. Voilà. Oui, et d'ailleurs, Jackie. Qu'est-ce qu'il y a, Kelly? Qu'est-ce que tu veux me dire, Kelly? Bah, j'attends quelque chose. Tu veux un cadeau? Oui. Oh, écoute, j'allais te le proposer. Oh, hein? C'est gentil. C'est pour toi, merci, Kelly, Jackie. Le premier cadeau de l'émission. On y va? On y va, on va. Allez, voici ça. Donc le cadeau de Kelly, c'est là. Regarde, ça va sortir là. De. Solveig, merci. Ah oui, tu l'as beaucoup, connu. Jackie. C'est bien ça. En plus, sa chanson s'appelle Jalousie. Bah, pourquoi tu me regardes en disant ça, Jackie? Non, pour rien.
Bah, il y a quelque chose, non? Non, non, il n'y a rien, non, 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 je te promets, il n'y a rien. Il y a quelque chose, Jackie? Non, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Bah, écoute, Jackie, tu m'offres un clip qui s'appelle Jalousie, tu me regardes comme ça, d'un air assez spécial, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, 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 y a, tout va bien, mais qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure dans le bureau de Césarie? Hein, tu appelles Césarie? Rien de spécial, on parlait de l'émission. Oui, c'est ça, tu parlais de l'émission, ouais. Pourquoi tu t'es enfermé à clé avec lui alors? Hein? Mais non! Elle a bon dos l'émission là! Mais. Hein, vous êtes d'accord, Régis? Mais non, mais je vais vous expliquer. C'est, c'est ça, je vais voir comment tu vas t'en sortir là. Ouais. C'est parce qu'il y avait le chien Charles-Henri d'Isabelle 2 et on voulait pas qu'il se sauve. D'abord, c'est pas le chien d'Isabelle 2, c'est le chien d'Isabelle. D'Isabelle, pardon! D'Isabelle 1. D'Isabelle 1. Alors tu dis n'importe quoi tellement t'es troublé. Le chien d'Isabelle 2, Charles-Henri, c'est n'importe quoi. Ah, il a bon dos, Charles-Henri, hein? Qu'est-ce que tu faisais donc avec Jean-Paul Césarie enfermé à clé dans son bureau? Mais je t'assure, Jackie, je te dis la vérité. Bon, je lui demanderai à Charles-Henri. C'est un chat qui parle en plus. C'est un chat qui parle en plus. Bon, allez, on va passer à autre chose, hein. Oui. Allez, en attendant, tu vas accueillir le candidat numéro 1, d'accord? C'est parti. Voici donc le candidat numéro 1. Applaudissements, Charles-Henri. Bonsoir, Yacine. Bonsoir, bonsoir. Alors, Yacine, tu as quel âge? J'ai 34 ans. 34 ans, et tu viens d'où? J'habite à Chelles. Je peux te tutoyer. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Alors, tu es chanteur professionnel à plein temps? Oui, tout à fait. Chanteur, musicien, d'accord. Ambianceur, animateur. Tout ça en même temps. Comique, masseur. Plein de spécialités. Tout à fait. Et ça fait longtemps que tu es chanteur? Ouais, ça fait 34 ans. 34 ans. Voilà. Tu fais de la scène? Oui. Tous les week-ends. T'as commencé jeune quand même. Ah bah, à la naissance, hein, tout de suite. Tout de suite, on a mis l'ambiance. À la clinique, on a mis l'ambiance direct. C'est exceptionnel. Oui. C'est ce qu'on m'a dit. Donc tu fais de la scène. Oui. Tu as des spectacles. En fait, je fais des concerts et je fais tout ce qui est soirée privée en fait. Donc, chez les gens, ça peut être dans des appartements, dans des maisons, ça peut être pour des sociétés, sinon dans des petits bars parisiens. D'accord. Et quelles sont tes influences musicales? Quel est ton genre de musique? Les influences, c'est plutôt world. C'est un mélange en fait entre la musique africaine, orientale, le côté hip-hop, reggae, raga, voilà, électro aussi. D'accord, parfait. Voilà. Et ce soir, tu vas nous interpréter. D'ailleurs, je t'ai pas demandé. Tu es auteur-compositeur? Tout à fait. Auteur-compositeur. Que de talent, dis donc. Ah oui. Ça rigole pas. Et donc, ce soir, tu vas nous interpréter quoi? Un titre qui s'appelle Si tu savais. D'accord, si que tu as écrit toi-même. D'accord, j'ai écrit, que j'ai composé moi-même. Ok, je vous demande d'applaudir très fort, Yacine. C'est Yacine sur IDF1. Hey, si tu savais à quel point je ne veux plus. Petit à petit, c'est mon corps qui se consume. Si tu savais à quel point je suis déçu. Petit à petit, je me dis, ça y est, c'est reparti. Écoutez ses cris, elle m'appelle. Elle réveille mon esprit et tout ça me rappelle. Les mauvaises nuits pour moi, elle se faisait belle. Et je n'ai jamais compris pourquoi cette voix sensuelle pour m'attirer avec un sourire niais, l'air suspect. Mais qu'est-ce que j'en savais que j'allais tomber fou amoureux d'elle. Oh, et si tu savais à quel point je ne veux plus. Petit à petit, c'est mon corps qui se consume. Si tu savais à quel point je suis déçu. Petit à petit, je me dis, elle me lâche pas, elle me cache tout ce qu'elle pense. Elle se fâche quand je lui dis pas ce que je pense d'elle, pour lui faire comprendre qu'elle est collante. Même si dans ma vie ou dans cette danse, il faut qu'elle rentre. Elle me lâche pas, elle me cache tout ce qu'elle pense. Elle se fâche quand je lui dis pas ce que je pense d'elle, pour lui faire comprendre qu'elle est collante. Même si dans ma vie ou dans cette danse, il faut qu'elle rentre. Et si tu savais à quel point je ne veux plus. Petit à petit, c'est mon corps qui se consume. Si tu savais
point je suis déçu. Petit à petit je me dis ah non 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 non. Couler balai, à couler balai, à couler balai, couler balai, couler balai, yeah, ah, à couler balai, couler balai, couler balai, à couler balai, à couler balai, couler balai. Allez, tout le monde avec moi, ça fait. Hey ya, 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 hey ya. Je ne veux plus. Petit à petit, c'est mon corps qui se consume. Eh, hey, hey, si tu savais à quel point je ne veux plus. Oh, non, non, non. Et je repars en impro. Et ouais, je suis en solo. Pourtant, je suis la man. Ouais, je suis un pro. Je m'appelle pas Julien, Mathieu ou Lionel. Moi c'est Yacine, je viens poser la rime sur IDF1. Et pourtant je suis là, je te balance mon refrain. Normal, et ouais je suis là, sur l'instrumental. Fais du bruit, hey, hey. Oui si tu savais, à quel point je ne veux plus. Petit à petit c'est mon corps qui se consume, hey, hey. Oui si tu savais, à quel point je suis déçu. Petit à petit, je me dis, allez, comment ça fait? Hey ya, 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 hey. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Quelle ambiance. Merci, quelle merci. Ambiance de dingue. C'est ta première télé? Oui, non. Oui, oui, oui. Non. Alors, voilà, c'est des petits plateaux, un petit peu à droite à gauche. Pas aussi bien que chez IDF. Ah hein. Non, c'est le meilleur que j'ai pu faire. Merci beaucoup. C'est le meilleur. Par contre, j'ai juste une petite information à donner. Oui. Donc, comme je vous explique où je fais donc, des soirées privées. Donc, je fais passer l'info. Voilà. Hein, pour la caméra numéro 4. Hein. Exactement. Donc c'est Yacine, n'hésitez pas à me contacter, c'est sur Facebook. Yacine Acoustica, c'est très simple. Et ça sera avec plaisir de faire toutes ces soirées sympathiques chez vous et avec plaisir. Eh ben, c'est parfait Yacine. En tout cas, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je tenais aussi à faire un petit coucou à Strasbourg. Parce que j'ai un grand public là-bas à Strasbourg, donc je salue mes amis strasbourgeois et strasbourgeoises, bien sûr. Et voilà, et merci à vous de m'avoir invité, et ça fait plaisir. Bah, merci à toi, Yacine, d'être venu sur ce plateau. Merci. Yacine, dis-moi, est-ce que tu es libre pour revenir demain? Oui, c'est-à-dire pour l'émission? Pour l'émission. Pour un rendez-vous... Ah. Pour l'émission, oui. Yacine, pour l'instant, c'est que pour l'émission. Hein. C'est que pour l'émission, d'accord. Parce que pour Kelly, ça va être difficile, hein, d'accord, Yacine. Ça a été... Ah ouais, je suis tenace moi. Hein. Ah oui, oui, mais elle aussi. Et puis moi aussi, en plus. Bon, alors Yacine, non, vous votez pas pour lui, c'est pas la peine. Hein. Non, allez, si vous avez adoré Yacine, il y a trois manières de voter. Le téléphone, 08 92 780 777. Le SMS, vous lancez talent 72 072. Ou alors internet, www.idf1.fr. Attention, vous avez jusqu'à demain 15h pour voter. C'était donc le candidat numéro 1, l'applaudit très fort, Yacine. Bravo. Et là, hop, un demi-tour. Je me retourne vers Patrick, c'est ça? Non, Yves. Yves, alors c'est Yves. Bonsoir. Comment ça va, Yves? Très bien, tu es donc l'agent de Yacine, tu es quoi? Son fan numéro 1. Ah oui, tu es plus fan que agent alors? Oh, bah, si je peux l'aider, je l'aide. Mais... Tu l'aides, voilà, ok. Alors, le talent, c'est lui qui l'a. D'accord, bah, oui, bah, il est là pour ça. Exactement. Comment tu l'as rencontré? Alors, en fait, Yves. Ça fait 4-5 ans que je le connais, mais je ne savais pas qu'il faisait de la musique. Et j'ai ah bon découvert qu'il de la musique. Et quand tu l'as connu, il faisait quoi alors? Bah, je le connaissais comme ça. Attends, ouais, il faisait déjà de la musique, mais je ne le savais pas. Oui. En fait, une fois, il m'a invité il y a à peu près 2 ans dans un de ses concerts. Et alors? Et bah, là, j'étais envoûté, impressionné. Subjugué, bah oui, fasciné, parce que. Mais pas que moi d'ailleurs, c'était dans un petit bar, mais tous les gens qui étaient là étaient.
J'étais quand même impressionné parce que il a du talent, quoi, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Hein, et il mettait une ambiance incroyable, tout le monde dansait. Bon, alors tu aimerais qu'il revienne demain? Ah, bah moi, c'est sûr. Alors, même s'ils ont tous du talent. Oui, tu préfères quand même Yacine, hein? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà, ta caméra est là et tu vas parler de ton ami pour qu'il revienne demain. Eh bien, écoutez, moi, je suis fan, donc je suis sûr que vous pouvez être fan. Il suffit juste d'écouter ce qu'il fait. Vous allez, comme il a dit, sur Facebook, sur YouTube. Ou alors, vous venez tout simplement à une de ses soirées. Il anime, il fait des mariages, de tout ce que vous voulez, et il met une ambiance incroyable, quoi. Ah ouais. Il a son style de musique, on peut pas rester insensible, quoi. Tout le monde danse, peu importe l'âge. Donc faut voter Yacine, en gros. Bien sûr, votez Yacine et écoutez ce qu'il fait, vous serez emballé comme moi, je suis sûr. Candidat numéro ? Numéro 1. Bravo Yves. Merci Yves, c'est parfait. Ah oui, on a connu. C'était donc le candidat numéro 1, Yacine. À qui tu plais d'ailleurs, Yacine. Il est assez direct avec toi, Okeli. Hein. Je reviens pour toi, même si je chante pas. Enfin, Yacine. C'est mignon. Ah, tu trouves ça mignon, très très bien. Bon, bah écoute, Kelly, c'est mignon. Alors, Kelly, trouve ça mignon. Mais Jackie, c'est. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un cadeau pour toi. C'est vrai, Kelly. Alors, quand tu me dis ça, t'as un cadeau pour moi? Ça va te consoler. Oh, bah, regarde oui. Ça, là. Normalement, il devrait apparaître juste là. T'es sûr que c'est là? Je ne sais pas. Bah, ouais, pas sûr. Mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est pas ce que tu crois. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de tout l'homme. Et crois-moi, plus fou d'elles, d'elles, d'elles de jour en jour. De plus en plus, tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir, tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras et plus tu comprendras. Dans ces moments, tu te souviendras que ton vieux père disait, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. François, j'adore cette chanson. Mais comment tu sais que j'adore cette chanson, Kelly? Bah, hein? C'est facile, c'est la chanson préférée de mon grand-père. Ah, mais ça veut dire quoi, la chanson préférée de ton grand-père? Bah, c'est la même génération que toi. Ah bon? Mais il a quel âge, ton grand-père? Bah, 60 ans, presque, ah oui, déjà. Ah oui, c'est très sympa, Kelly. Merci beaucoup. Bah, oui. Bon, bah, je vais peut-être accueillir la candidate numéro 2, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense que merci c'est une bonne idée. Cadeau, en tout cas. Je t'en prie, Jackie. Tu connais ça, cette chanson, belle, 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 comme le jour? Belle, 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 comme l'amour. Hein? Oui, Jackie. Très bien. Voici donc la candidate numéro 2, applaudissements! Un tonnerre d'applaudissements pour la candidate numéro 2, ouais! C'est Anka. Ça va, Anka? Quel âge as-tu? J'ai 17 ans. 16 ans? 17. 17? Oui, voilà. T'es extrêmement jeune. Oui. 17 ans? Oui. Et tu chantes? Oui, voilà. Déjà, 17 ans? Oui. Tu habites où, Anka? J'habite à Champs-sur-Marne. Champs-sur-Marne, c'est dans le Val-de-Marne, non? En Seine-et-Marne. Non, c'est en Seine-et-Marne, voilà. Champs-sur-Marne. D'accord, c'est une banlieue un peu... Oui, voilà. Éloignée, quoi. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais, sinon? Parce qu'à 17 ans, tu es lycéenne? Oui, je suis lycéenne, en terminale. T'es en terminale, donc tu as ton bac à passer au mois de juin. Et voilà. Quel genre de bac tu vas passer? Littéraire. Littéraire, donc tu es donc une littéraire. Oui, voilà. Et la chanson, c'est après quel âge, alors? Alors, depuis que je suis petite, j'aime beaucoup la chanson. D'accord, et donc tu avais envie de chanter? Oui, exactement. Et tu composes, tu écris? Non, pour l'instant, non. Non. Donc, j'ai des projets pour composer aussi, parce que j'aimerais beaucoup faire mes propres chansons. Ben oui, mais est-ce que tu joues d'un instrument, Anka? Non. Non. Tes parents, peut-être? Ton père, ta mère? Non, non, pas du tout. Bon, c'est venu comme ça, alors, t'as la foule artistique, c'est venu... Exactement. Ok. Et les copines de ta classe te regardent, là? Oui, voilà, elles me regardent. Les futures bachelières, les futurs bacheliers? Oui. Ouais. Tu fais un peu de scène, non? Pour le lycée. Ouais, c'est-à-dire? Pour les fêtes de fin d'année, tu... Oui, on a fait pour le Téléthon, par exemple, oui, un petit spectacle pour réunir quelques fonds. Oui. Donc j'ai chanté tous les ans. Donc voilà. Ça t'a plu, quoi? Oui, ça m'a plu. Est-ce qu'il y a une chanteuse qui t'a donné envie de chanter? Non, pas particulièrement. En général, comme ça, t'as envie. Voilà. Quoi. Ok. Alors, tu vas nous faire une reprise, alors, ce soir, si tu... Oui, alors, exactement. Tu vas nous chanter quoi, Anka? Alors, je chante White Horse de Taylor Swift. White Horse de Taylor Swift. Ah, ok. Très bien, alors. Anka, c'est de quelle origine? C'est roumain.
Ah, tu es roumaine? Oui, voilà. D'accord, ok. C'est très bien. Et tu parles couramment français. Oui. Mais tu n'es peut-être pas née en Roumanie, Marc? Si, je suis née en Roumanie. Ah, tu es née en Roumanie et tu es née en France? Je suis venue en France. Vers quel âge? Vers 3 ans, 4 vers ans. Vers 3 ans, ok. Ensuite, je suis partie au Canada et donc je suis revenue. Ah oui, t'arrêtes pas de voyager. Oui, voilà, alors, j'ai bien. Beaucoup voyagé. Et là, t'es à Champs-sur-Marne. Oui. Voilà, tu vas nous chanter une chanson pour Vous avez du talent. Exactement. Voilà, alors on applaudit très très fort Anka, c'est la candidate numéro 2. Merci. Anka! Très bien, Anka. Merci. T'es très concentrée. C'est ta première télé, je suppose. Oui, voilà. Alors ? J'étais très stressée, mais ça c'est va. C'est sympa, on est sympa ici, vous avez du talent. Très bien. Hein ? Est-ce que éventuellement ça te plairait de revenir demain ? Oui, bien sûr. Ouais, sans problème ? Oui, voilà. T'as cours demain ou tu t'en rends quoi ? Ouais, tu t'en rends avec tes profs ? Oui. Hein ? L'après-midi, j'ai pas cours. Donc...
Ah, t'as pas con l'après-midi, non. Ça me très bien. Alors, Kelly, que faut-il faire? Que faut-il faire pour voter pour Anka? Alors, c'est très simple. Soit vous appelez le 0892 780 777, ou bien vous envoyez talent au 72 072, ou bien encore, vous pouvez voter directement sur notre site, le www.idf1.fr. Merci, Kelly. Bonsoir. Je suis en compagnie de la maman de Anka, c'est ça? Elle chante très bien, votre fille. Elle est très belle. Je tiens à le préciser. Merci. Quand est-ce que vous avez décelé son talent? Ah, depuis qu'elle est petite. Elle depuis qu'elle est petite, bien, elle chante. Alors, elle chante tout le temps à la maison? Elle chante, oui. Elle chante. Elle chante dans sa chambre tout le temps. Elle ferme la porte pour qu'elle ne la dérange. Oui, mais ça va, ça ne dérange pas. On aime tous dans la maison comme elle chante, alors ça va. Et vous trouvez qu'elle a beaucoup de talent? Ah, moi oui. Moi, son frère, son père, la famille, tous, on croit qu'elle a du talent. Alors, vous voudriez qu'elle revienne demain? Ah, ça, c'est sûr. Alors, je vous laisse dire un petit mot aux téléspectateurs. Oui. Si vous avez aimé comme Anka, elle a chanté, s'il vous plaît, votez le 2. Parfait. Merci. Numéro 2, Anka. Elle est très bien chantée, hein? Très bien chantée. Hein, elle est très mignonne, elle est. Tout ça, tout ça. Elle pétille. Elle pétille, comme toi, Kelly, tu pétilles. Merci, Jackie. Et comme tu es très pétillante, j'ai décidé, moi, Jackie, animateur de Vous avez du talent, de t'offrir un second cadeau. Oh, merci, super Jackie. Super sympa, non? T'es très gentil. T'es très Voici très donc le second cadeau de Kelly, c'est parti! Il est là, regarde. Jackie. C'est sympa, c'est hein? Génial. Tu trouves pas que c'est très très dansant? Oui, vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Oh Kelly? Non, Jackie, pas aujourd'hui. Si, tu veux enlever tes chaussures? Pas aujourd'hui, Jackie. Mais si, mais attends, l'audience d'IDF1 qui est déjà énorme a triplé depuis que tu danses les pieds nus, Kelly. Elle a vraiment triplé? Mais oui, le monde entier s'arrête de vivre pour te regarder pieds nus, danser pieds nus. Alors, bon, bah, si Kelly, c'est pour le monde entier. Kelly! Alors, donne-moi tes chaussures. Allez, on l'applaudit plus fort. Donc voici Kelly qui va danser devant vos yeux ébahis. Musique! Allez Kelly, on l'applaudit! C'est magnifique, Kelly. Merci, Jackie. Alors, je sais pas, on va pas tripler, on va quadrupler l'audience d'IDF1 au moins. Oh, Jackie. Ah, je te promets. Je t'assure. Bon, tu es prête à recevoir le candidat numéro 3? Oui, tout à C'est fait. C'est vrai, tu es prête? Je suis prête. Voici donc le candidat numéro 3. Applaudissements! Alors, tu as quel âge, Anderson? J'ai 24 ans. Et tu viens d'où? Je viens de Paris, dans le 17e, en fait. D'accord, parfait. Quel est ton talent ce soir? Enfin, ton talent moi, tout en fait, court. Je chante, enfin, je danse aussi. Je danse aussi, mais bon, là, c'est surtout pour du chant. Et donc, voilà. D'accord. Tu es auteur, compositeur? Non, par contre, non, je n'écris pas mes chansons, mais voilà, je fais que des reprises. D'accord. Est-ce que tu as un site internet où on pourrait suivre ton actualité? J'ai une chaîne YouTube, en fait. D'accord. C'est Anderson 3072 et voilà. D'accord, parfait. Tu vas nous interpréter quoi ce soir? Donc une chanson en fait d'un groupe qui s'appelle Boys to Men, qui s'appelle Water on the Rye. D'accord, voilà. Parfait. Et ben on applaudit très très fort Anderson. Merci.
talk anymore. We don't even know what we argue about. Don't even say I love you no more. Say we never feel is no longer allowed. Some people we work things out, and some just don't know how to change. Let's do it till the water runs dry. We might watch up on life passes by. Let's do it till the water runs dry. Biggest mistake of a life. Don't do it, baby. Now I can see the tears in your eyes, but we didn't have a pain I deep in your heart. But everybody pain we can hide, lie. Cause everybody knows a rainbow turn apart. What do we own? Let's do it till the water runs dry. We might watch out for love passes by. Let's do it till the water runs dry. We make the biggest mistake of a life. Don't do it, baby. By. Let's do it to the water and dry. All the lies, don't do it, baby. Oh, 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 oh. Now, now. C'est gentil. Tu te produis parfois sur scène ? Oui, ben là en fait, je fais quelques scènes, mais là en fait, je participe à un tremplin de Sound Music, en fait, un concours, et donc qui se passe au Bizarre Café, d'accord. En fait, et c'est sur les quais de Valmy. Et donc en fait, là, j'ai été sélectionné pour les quarts de finale, et donc ça sera le 16 mars en fait. Le 16 mars. Voilà, donc au Bizarre, ça s'appelle le Sankofa, donc Soul Contest. Et tout le monde est le bienvenu, quoi, s'il veut venir. Avec plaisir, on viendra. Voilà. Alors, est-ce que tu es libre pour revenir demain ? Oui, je le suis. Voilà. Jackie, comment fait-on pour voter pour Anderson ? Anderson est libre ? Il est libre demain. Oui. Pour te voir toi ou pour venir à l'émission ? Pour venir à l'émission, Jackie. Uniquement Anderson ? Uniquement, ou... je pense. Oh, ça va, alors je vais parler de toi, Anderson. Les deux. Ah, les deux, je ne parle pas de toi, alors, si c'est les deux. Et d'ailleurs, je tenais à vous dire, Jackie, que voilà, je suis très honoré, en fait, de... Oui. Rencontrer une des personnes grâce à qui j'ai découvert Dragon Ball Z, donc voilà. Ah bah écoute Anderson, alors bravo, merci Anderson. Franchement, c'est un Dragon Ball Z en plus, c'est important. Ah, j'étais obligé de vous le dire. Bon, je vais parler de toi Anderson, tu es très très bien finalement. Bon, merci. Alors, si vous avez adoré Anderson, il faut voter pour lui, c'est très simple, il y a trois manières de voter. Le téléphone 08 92 780 777, internet www.edf1.fr, ou alors le SMS, vous lancez talent 72 072. Attention, vous avez jusqu'à demain 15h pour voter. C'était donc le candidat numéro 3, il s'appelle Anderson. Il est très très bien, bravo Anderson. Et d'un seul coup, je me tourne vers Mehdi, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Mehdi, donc tu es le manager d'Anderson ? Tout à fait, ouais. Mentor ? Non, le manager, tout simple. Le manager. Alors Mehdi, que fais-tu toi, sinon, en dehors d'être manager ?
Ben, je suis étudiant en école de commerce. Ah, t'es étudiant. Ah, donc, tu veux faire quoi, alors? Ben, mon rêve, ça serait travailler dans la musique, ah, production. Ouais, d'accord. Okay, alors, comment tu as rencontré Anderson? Ben, c'est-à-dire qu'il était venu faire une scène dans mon école. Ouais. On manage des petits artistes qui essayent de s'en sortir. Ben, c'est bien. Et ouais. De fait, j'ai entendu sa voix et j'ai tout de suite kiffé. T'as kiffé grave? T'as kiffé grave. Comme un malade, comme on dit, non? Ouais, voilà. Ça se dit encore kiffé? Ouais, ça se dit toujours. Je peux dire kiffé, je passe pas pour un ringard, quoi. Non. Donc t'as kiffé comme un malade? Ouais, j'ai kiffé. T'as kiffé, et alors qu'est-ce qui s'est passé après le kiff? Et ben, du coup, je lui ai proposé que je le manage. Oui. Depuis, il a dit oui? Tout de suite. Ok, il a kiffé aussi, alors. Ok. Et depuis, on fonctionne, on fait comme ça. Enfin, je lui gère des scènes. Oui. Je m'occupe de sa communication. C'est super sympa parce qu'il chante très bien en plus, Anderson. Tu aimerais qu'il revienne demain? Ah ouais, j'aimerais beaucoup. Alors, tu vas regarder les caméras, faut que tu regardes les nombreux téléspectateurs d'IDF1. Surtout qu'on a triplé d'audience depuis qu'Eli chante, enfin danse pieds nus. Tu l'as vu, non? Il danse bien en plus. Ah ouais, il danse super bien. Et tu vas parler de ton copain, vas-y. Bah, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous avez vu Anderson, sa prestation. J'espère que vous avez été touché par l'émotion. Et donne-lui la chance de se produire les jours à venir parce qu'il a énormément de talent. Donc voilà. Votez 3. Voilà, merci Mehdi. C'est parfait. Merci. C'était donc le candidat numéro 3, Anderson. Qui peut-être reviendra demain, qui peut-être reverra Kelly, on ne sait jamais. Hein. Oui, Jackie. Bon. Maintenant, nous allons accueillir la tenante du titre. Elle revient pour la 4e fois consécutive. Elle s'appelle Sarah, elle a 19 ans. Et on l'appelait très très fort, n'est-ce pas, Kelly? Très fort. Sarah. Un tonnerre d'applaudissements pour Sarah, s'il vous plaît, la tenante du titre. Alors, est-ce que tes copains, tes copines te regardent? Ils me regardent tous les jours et d'ailleurs, vous faites bien de me poser la question. Ah, pourquoi je fais bien de te poser la question, parce Sarah? Parce que je voulais la remercier. Vraiment, d'accord, merci à tout le monde de voter pour moi, de me soutenir depuis le début, ça me touche énormément. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont mobilisés sur Facebook et autres, par texto, etc., pour qu'on vote pour moi. Et je sais qu'on vote pour moi un peu partout dans la France. Oui, dans la France entière, car tout le monde regarde. Et même en Nouvelle-Zélande, etc., où j'ai ma cousine qui est là-bas. Et, ah bah, tu sais qu'il avait fait un très regardé en Nouvelle-Zélande. Ah bah, comme quoi. Tu ne savais pas? Je ne savais pas. Ouais, tous les kangourous regardent, par exemple, les kiwis, tout ça. Hein. Bon, Sarah, hier tu as chanté Barbara Streisand, oui. Hein, Memories, une excellente chanson. Alors, que vas-tu nous chanter aujourd'hui, Sarah? Alors, ce soir, je vais vous chanter une chanson de Starmania. Oui, laquelle? Monopolis. Monopolis, de Starmania. Voilà. Ok, donc c'est une reprise assez relativement connue. Oui. C'est pas la plus connue de Starmania? Non, c'est pas la plus connue, mais elle me touche, cette chanson. Elle te touche, donc tu vas bien la chanter. J'espère. Voici donc la candidate numéro 4, c'est la tenante du titre. Elle s'appelle Sarah, et on l'appelle très fort. La vie.
C'était donc la tenante du titre, Sarah. Très très bien, Sarah. Merci. Pas évident non plus à chanter ça. Hein. Tu t'attaques toujours à des chansons un peu pas faciles, quoi. Bah, il faut. Ouais, il mais faut. Comment tu décides d'ailleurs, une fois que tu sais que tu reviens, comment tu sélectionnes la chanson que tu vas chanter ce soir? Bah, j'ai fait une petite liste déjà des chansons que j'aurais bien aimé interpréter. D'accord. Et puis ça vient comme ça vient. Ouais. Je me dis, bah, aujourd'hui, si je suis reprise. Voilà, à 15h, tu sais que c'est toi, donc tu as le temps de répéter entre 15 et 19h. Répéter pas beaucoup, mais un petit peu. Un petit peu quand même. Oui, un petit peu. Bon, tu aimerais revenir demain? Avec plaisir, Jacques. Je suppose que oui, Sarah. Bien sûr. Hein. Alors, si vous avez adoré Sarah, il faut voter pour elle. Et la divine Kelly va tout vous expliquer, n'est-ce pas, Kelly? Oui, alors pour voter pour Sarah, c'est très simple. Soit vous appelez le 0892 780 777, ou bien vous envoyez talent au 72 072, ou bien encore, vous pouvez voter directement sur notre site, le www.idf1.fr, et vous avez jusqu'à demain 15h pour voter. Merci beaucoup, Kelly. Merci. Donc Sarah, tu as un appel téléphonique, tu m'as dit que c'était ton frère normalement qui t'a oui, vu. Oui, normalement c'est mon frère. Normalement, il s'appelle comment? David. David. Allô David? Allô? C'est David? Oui, bonsoir Jackie. Bonsoir David, tu es donc le frère de Sarah? Exactement, le grand frère de Sarah. Tu es son frère aîné, tu as quel âge David? 22 ans. Ah, tu es très très vieux par rapport à Sarah. Non, je ne suis pas très vieux par rapport à Sarah, on a juste 2 ans et demi d'écart. D'accord, donc tu trouves que ta sœur chante extrêmement bien? Je trouve que ma sœur chante extrêmement bien, oui. Oui. Et je trouve que ma sœur interprète extrêmement bien aussi. Ah, d'accord. Donc tu trouves qu'elle a énormément de talent, en gros? C'est certain. Oui, alors à quel âge tu t'es rendu compte que ta sœur chantait extrêmement bien? C'est une question piège, donc, ça. Les premières scènes ont été décisives. Oui. On a vraiment vu qu'elle avait une envie de communiquer son émotion et sa passion aux autres lorsqu'elle a fait ses premières scènes. D'accord. Donc elle devait avoir quelque chose comme 16-17 ans, je pense. 16-17 ans, ok, d'accord. Donc vous avez, toute la famille est derrière elle, quoi, là, hein, c'est ça l'histoire? C'est certain. Toute la famille, tous nos amis, tous les étudiants, Lyon, Aubagne, Marseille, on est vraiment tous derrière elle. Bon, donc il faut qu'elle revienne demain, donc il faut que tu parles de ta sœur. Pour que tu arrives à convaincre les téléspectateurs d'IDF1, qui sont déjà partiellement convaincus. Hein. On t'écoute. Ok, d'accord, Jackie. Donc, moi, pour convaincre les téléspectateurs d'IDF1, c'est très très simple. Je pense que lorsque l'on a l'occasion de permettre à quelqu'un de réaliser son rêve, on se doit de le faire. Et surtout quand cette personne est talentueuse et qu'elle a la vie devant elle. Donc, il faut voter 4 pour Sarah et continuer à la soutenir. Bravo! Merci mon frère. C'est un vrai frère. Hein, vous avez une famille. Bravo. Merci à toi Sarah. C'est très sympa. Vous. Merci. Voilà les 4 candidats de ce soir sont passés, Kelly. Tous parfaits, tu as une petite préférence, non? Mais je pour le dis Anderson, pas. Pour Je ne le dis pas. Tu ne le dis pas, tu le gardes pour toi. Pas, je le garde pour moi. Tu ne peux pas voter. Je sais, Jacques. Non, animatrice, moi non plus. C'est à vous de voter, mais tout ça, c'est une autre histoire. Et on vous le dira après la pub. Voilà, restez avec nous sur DF1. A tout de suite, public adoré.